C'est un homme qui vient de la Gaspésie. Puis, ouais. On était petits, puis il disait tout le temps « Hey, enlève la bombe! » Ah, oui. Moi, j'étais jeune, là. On lève la bombe? Ouais. C'est quoi ça, cette expression? Là, c'est ça. Là, je me disais, c'est quoi ça? Puis là, elle m'a amené à un bout de deux, trois fois. Là, je regarde ma mère, puis là, je dis « Maman! » Pourquoi papa, il dit tout le temps, enlève la bombe. Là, ma mère me regarde et elle dit, ah, c'est parce que ton père, il veut dire, enlève la bouloir de sur le poêle. Oh, ok, pour ok. Pour eux autres, là-bas, une bombe, c'est une bouloir. Oui. Voyons, une bouloir. Ah oui, bouillard, oui. Qu'on met sur le feu. Oui, Mais lui, il appelait ça une bombe. Ah, bombe. Oh, des fois, c'était drôle. Il disait à ma mère, « Hey, ramène toutes les mômes. » Toutes les mômes, Toutes les mômes, toutes les dames, non? Non, ça voulait dire « ramène tous les enfants. » Ah, qu'est-ce que t'as dit, Linda? Qu'est-ce que j'ai? Ah, bois pas la bibitte dedans! La bibitte! Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et donc, comme je te dis, c'est la petite introduction avec Linda, une bonne personne, elle a accepté l'accent québécois ou de dire les expressions. C'est la vidéo d'aujourd'hui. Bon, quand on fait notre immigration ici au Québec, on est un peu confronté ou là qui m'a engoulé avec le choc culturel d'elle, l'accent québécois. Anna, que j'adore. Il faut prendre du temps pour que je fasse. Donc, je vais vous donner les expressions qui sont très importantes et vous allez vous dire ce que vous avez. Déjà, Linda il a parlé quelques mots. Ça fait des années au Québec, mais je ne comprends pas ce que vous avez. C'est des mots qu'il faut pas dire. Je vais vous dire qu'il y a aussi de calis. Bon, Linda va rire là, aussi de calis. Bon, essaye de le prononcer. C'est sûr, tu vas pas le prononcer comme moi. Redis-le aussi de calis. Aussi de calis. Puis le tabarnak aussi. Bon, ça, c'est des mots que. Quand la personne est vraiment énervée, elle dit ces mots-là. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Ashnou kayani ou had kalimat? Bon, Québec, quand واحد لقيت عاش في واحد المرحلة كانوا عايشين تحت السيطرة ديال ليغليز في الديبيو ديال 19e siècle. Où l'église, qui dit l'église كانوا كيخدموا فاش كيبغيو يديروا الباتم للوليد. C'est ça, c'est pour le baptême qu'on utilise l'hostie puis le calice, non? Ou même pour, non, c'est à toutes les messes. C'est un rituel, je pense. Hein, c'est un, ça. Ouais. À tous les dimanches, on allait à messe. Puis... Donc, l'hostie, il y a dit que le chèbe qui dit le prêtre, c'est le saint. Ou le calice, ouais, واحد الكاس فاش كتكون ديك الحبه دونك فاش كيكون طالع لهم الدم وتيبغيو يخطاو تيقولوا اوستي دو كاليس كما قالت لكم ليندا ولو تبرناك عاود حتى هو كلمه تي زعما تي فاش كيكون طالع لهم الدم كيقولوا هذا لو تبرناك هو بحال بيت بحال ان كونتينو فين كيحطوا هذاك لوستي دو كاليس دونك هادو الا سمعتوهم نورمالمون سي دي موفي مو اللي ما خاصكمش تقولوا ولكن بنادم الا كان مقلق J'ai remarqué, je pense, Linda, que les personnes qui sont religieuses, conservatrices, on ne va jamais les entendre dire ces mots-là. Hein? Non. Ben, si on recule, mettons, dans le temps de mes grands-parents, tout ça, des personnes d'une centaine, ben, c'est sûr, dans le temps de mes grands-parents, genre, oui. des personnes d'une centaine d'années,
Non, eux autres, ils n'utilisaient pas pantoute ces mots-là. C'est ça, parce que c'est sacré pour eux, l'Église, le prêtre, oui. C'était vraiment sacré. Ouais. Mais moi, je parle de nos jours. Est-ce qu'il y en a que... Parce que ça m'arrive que des fois, j'entends quelqu'un dire ces mots, puis une autre personne dire... Non, on ne dit pas ces mauvais mots. Il y en a qui ne prononcent pas. Il peut en avoir encore, mais c'est sûr que de nos jours, c'est comme pas mal en train de se perdre. T'sais. C'est comme, garde nos églises ferment toutes. Oui, c'est vrai. Mm-hmm. Fait que, tu sais, puis nos jeunes sont encore moins impliqués. Regarde, moi, j'ai été élevée là-dedans, aller à l'église, puis toute l'équipe. Tu sais, dans le fond, je crée à... J'ai grandi, mais j'ai grandi pareil en sacré. Pour moi, c'est peut-être pas méchant de dire, tu sais, de sacré. Oui, c'est ça. Donc, les mots, les expressions, les gens qui ont déjà ou là, ils ont entendu beaucoup. Quelqu'un pas du tout. Hna, bon, les Européens, les Maghrébins, qu'on goulou pas du tout, mais huma qui goulou pas tout. Donc, exemple, as-tu dormi cette nuit? Ben, Linda, s'il n'a pas dormi, elle va me dire pas tout, j'ai pas dormi. C'est ça, oui. Avec vraiment l'accent. Donc, pas du tout, huma hna, au Québec, qui goulou pas tout. Fesh ki koun aoud l'bird bzzef, qu'on goulou, il fait froid, mais vous, qu'est-ce que vous dites quand il fait très froid? Il fait frais. C'est ça, il fait frais. On se gèle. Oui, on se gèle. Donc, hado mostalahat li kan sma'hom vraiment ana ba'da j'adore ça fache ki goula, il faut les comprendre. Kayn par exemple بالنسبه les repas. Les repas hna le Maghreb ou l'Europe kan goulo le petit-déjeuner le ftour, le déjeuner huwa le ghda ou le dîner huwa le icha. Ou kayn khlas le goûter. Mais هما هنايا كيقولوا le déjeuner هو الفطور le dîner هو الغداء ou le souper هو العشاء كاين عاود كاين بون غادي نقول لكم بزاف لان اللائحه طويله ما غنذكر لكم غير كلكوزان باش ما تجيناش لا فيديو طويله مثلا المايس هذاك ديال الذره اللي كناكلو في الصيف اللي كان ما هما كيقولوا البليداند دايور جو بونس vous avez une période où vous faites les pluchettes de bléd'Inde. Ouais. C'est ça, les pluchettes de bléd'Inde. Elle dit, maharouf, elle est au Québec, je pense, c'est début d'été, le mois d'août. C'est ça, le mois d'août, des fois, tu es sur la ferme ou là, juste entre amis, ou tu es comme tout d'accord, qui est hido. Donc, épluché, il y a qui est hido, d'accord, le foukania. Ils prennent un gros chaudron, immense, ils font un gros feu. Ouais. Puis, ils mettent. Des fois, tu peux mettre. Au moins deux poches de bléd'Inde, puis tu es au-dessus d'une trentaine de personnes autour. Oui, c'est ça. Donc, les gâteaux, bin chaudron kbir, yatawa kbir, katkoul le maschoun, tirchi ou hadak le maïs tma, ça fait ou hadak le mbad fesh kétib, tijbdo kédiru le beurre, ou kayakoule. Donc, les pluchettes de bléd'Inde, hiya, le maïs, yani tirchou, yatayibou, il a akhere. مثلا عندنا حنا المغرب لوروب كنقولوا جويوز انيفيرسير ولا بون انيفيرسير هما اون جينيرال كيقولوا بون فيت كاينه حاجه اخرى عاود عندهم الكلام ديالهم كله فيه تو مثلا ساس بو تو فو تو دونك جو نسي با بوركوا لو تو مي سي كوم سا سا في بارتي des expressions québécoises donc l'origine ديال ديك تو منينجه On ne sait pas, mais d'aïmen qui retaro dit tu. Bon, qui m'a dit comme ça, se peut-tu, tu sais-tu. D'aïmen dit que le tu m'zio def tali d'yel klem. Kéna haja khora, c'est que tsi. Ah oui, tsi. Tsi. Imagine, tsi. Ashnou yé tsi. Wahaou lout fkro shnou yé. Donc c'est quoi? Oui. Juste une phrase comme, je pense. Tu sais, par exemple, hier, je suis allée à... Mais tu sais, Katani, tu sais. Tu sais, c'est comme si mais tu non, savais. C'est... Oui, tu sais que... Mais Huma, qui est Gouloulha, tu sais. Donc, T-S-E accent, complètement.
وهاد المصطلحات اللي كنقول لكم راه كيختلفوا من منطقه لمنطقه، كما فسرت لي ليندا لا ريجيون ديال ساغني ولا لاك سان جون، هذيك عندهم واحد لاكسون ما تقدروش تفهموا، ديجا دي زاكسون اللي الناس ديال لا ريجيون دو موريال ما كيفهموهمش وتيهضروا بالزربه. كاين عاود حاجه اخرى ديال او زوتر نو زوتر، دونك او زوتر هي زعما هما، دونك او زوتر مشاو مثلا لا فيرم، دونك حنا كنقولوا il sont allés à la ferme، هما كيقولوا eux autres ils sont allés à la ferme ولا nous autres on est allés à la ferme، دونك حنا كنقولوا nous sommes allés à la ferme، هما nous autres eux autres. كاين par exemple péter sa coche هي s'énerver، دونك مثلا كيقول مثلا le patron mon patron s'est pété la coche ou la sacoche، ça veut dire il s'est énervé، c'est ça hein. On peut même dire se péter les bretelles، se péter les bretelles هذا عاود عنده c'est se vanter، c'est ça c'est se vanter. Donc se péter les bretelles، les bretelles هما اللي كانوا شحال هادي الوليدات ولا الرجال كيديروا لي بروتيل بونطالون بحال زعما تيجر هذوك لي زيلاستيك pour se vanter، مثلا انا عندي انا كندير، donc c'est pour se vanter. كاين عاود واحد l'expression c'est avoir de la jarniguane، avoir de la jarniguane، je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Oui, avoir de la jarniguane c'est comme tu sais avoir de la taille، avoir de l'intelligence. Oui, c'est ça, être intelligent. C'est comme exemple un enfant qui demande à son père c'est quoi ça ou comment je dois faire ça. يقدر مثلا الوالد يقول له تا با دلا جارنيغوان، توا زعما تي با انتيليجون بور بونسي ا سا. بون هادو بعض المصطلحات، من ان شاء الله الى عاود بانوا لي دوت، هما كاينين لي زيكسبريسيون كثار كثار كثار، بغير باش ما يجيناش الفيديو طويل غادي نحبس هنا، من نقدر نزيد لكم نسالي مع ليندا ونقدر نزيد لكم مصطلحات اخرين. دونك سي كوم اوسي دي فوا يان اوت فوندي تي va te mettre du plomb dans la tête. Oui, va mettre du plomb dans la tête. Ça, c'est quoi? Je vais te mettre du plomb dans la tête. En voulant dire, c'est pas tuer quelqu'un, c'est que, en voulant dire, t'es pas intelligent, va te mettre du plomb dans la tête. T'sais. Ok, oui. Donc, c'est moustalahat. هي ميم حنا في المغرب كاين شي الهضره ديالنا الدارجه، حتى هما عندهم هاد الهضره الدارجه، غير هو كاين بحال بغيتو تقولوا لو فرونسي كلاسيك لو كيبيكوا كلاسيك، بحال حنا باللغه العربيه غادي نهضروا باللغه العربيه الفصحى ولا الدارجه ديالنا، سي لا ميم شوز. دونك جو دوا جو فيني لا فيديو ديالي، هنايا بوكو 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 ديكسبرسيون، مي غير قلت لكم كيلكوزون، اي جو رميرسي énormément Linda d'avoir accepté de nous parler avec un accent québécois. Donc elle était spontanée quand vous avez vu, elle a parlé avec spontanéité, puis elle était contente de partager avec nous son accent québécois. Donc je te remercie beaucoup, puis en fait aujourd'hui on s'est vu moi et Linda avec d'autres amis, puis on a mangé du couscous, puis elle a adoré. Oh oui, elle a adoré le couscous. Bon. Ouais. Donc le couscous avec différents légumes, elle a vraiment aimé, puis c'était la première fois qu'elle découvre le couscous. Donc rire bhal la bghit tqoulo yani la morale de l'histoire c'est que ces gens-là, ces Québécois, ils sont des êtres humains comme nous, juste essayer d'être ouverts d'esprit. Eux, ils sont curieux de nous connaître, nous aussi, on est curieux. C'est sûr, des fois, il y a des imbéciles ben, partout qui vont dire ben, « qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu as laissé ton pays ?» C'est pas grave, il y a des exceptions partout. Donc, juste essayer d'être ouvert à l'autre, puis d'expliquer calmement, poliment, c'est tout. Donc, heureusement qu'il y a la langue avec laquelle on communique. Donc, là, je finis ma vidéo. Bi, kimma da'im, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.